Pangaea est un projet regroupant des pays. Des organisations engagées de différents horizons partagent des valeurs communes. Militent pour un monde plus juste, plus équitable, plus solidaire et plus inclusif. Par des rencontres, des échanges et le partage sur le long terme. Le but du projet Pangaea est de démontrer que même si on peut croire qu'il y a beaucoup de différences entre nos peuples, on se rejoint sur beaucoup d'enjeux. Et de cibler vraiment les enjeux sur lesquels on se rejoint. Donc c'est vraiment, plutôt que de chercher les différences, on cherche vraiment les points de rapprochement. Eh bien, je m'appelle Fania, j'ai 13 ans. Bien, j'ai été très étonnée de voir que des jeunes dans d'autres pays savent parler et qui apprennent le français. Bonjour, chers camarades. Nous sommes là pour échanger sur les avantages et les inconvénients liés à l'exploitation des ressources en eau. J'ai vu des ressemblances avec mon pays et des différences. Qui sont comme nous, sauf que à des climats différents. L'Afrique, ça ressemble vraiment pas à ce que j'imaginais au départ. En Afrique, il y a le désert qui arrive plus rapidement vers la ville à cause qu'il n'y a pas de forêt qui le protège, donc il compense en mettant des arbres. Le geste que nos camarades sont en train de poser est très important. Nous avons pu voir nos amis là qui avaient tellement chaud. On a coupé ça quand comme ça? Parce que les rayons de soleil les frappaient directement. Cet arbre que nous venons de planter pourra, n'est-ce pas, améliorer les conditions de vie des élèves au collège La Retraite. Merci. Chaque famille consomme une grande quantité d'eau chaque jour et j'ai appris à être plus sensible à ça. Puis j'ai appris comme le concept du stop motion que moi je connaissais pas avant. J'ai appris qu'avec pas beaucoup de matériel, on peut faire des films environ de 5 étoiles. Il était une fois, il n'y a pas si longtemps, un père et un fils qui voguaient sur un large lac. Jette-le, personne ne le saura. Les deux pêcheurs étaient de gros pollueurs, et cela réveilla la créature du lac. Nous allons suivre l'exploitation du gravier pour mieux connaître les avantages et les inconvénients qui découlent de cette activité. D'abord, je suis élève et je n'ai personne pour m'aider. Pour subvenir à mes besoins, je travaille ici souvent les week-ends, les congés et les vacances. Nous luttons contre l'insalubrité dans notre lycée et pour protéger notre environnement, nous procédons par un ramassage des déchets tous les jours. En ce qui concerne le sol, au lieu de déverser nos ordures ménagères dans l'eau ou dans la nature, nous pouvons les utiliser comme engrais. J'ai appris que comme au Québec, en Bulgarie aussi, il y a de la corruption. Bonjour, chers téléspectateurs. Aujourd'hui, dans notre studio, nous discuterons sur le problème du défrichement des forêts et de la construction effrénée sur le littoral de la mer Noire. Pour commencer, nous allons situer les curiosités naturelles de la Bulgarie. En participant au projet Pangaea, j'ai appris qu'on consommait énormément d'eau au Québec. On dépasse la moyenne des autres Canadiens. On est tellement des fous consommateurs. On l'utilise pour notre électricité. Jusqu'en 2000, on comptait 145 barrages. Mais zut, on gaspille beaucoup trop! On gaspille beaucoup trop d'eau. J'ai changé parce qu'avant, je pensais qu'ils n'avaient pas d'appareil de nouvelle technologie. J'ai appris la fracture numérique, quelque chose que je ne connaissais vraiment pas avant le projet Pangaea. Et la fracture numérique, ce sont des certains endroits où ils ont moins l'Internet ou qui n'en ont pas. En Bulgarie, la majorité des petites villes et villages n'ont pas accès à Internet car il n'y a pas de fournisseur qui puisse investir dans le matériel technique nécessaire. La ville ou la campagne, mais ils ont un différent environnement de travail. Comme la ville, ils ont l'ordi avec l'Internet, mais quand tu t'en vas en campagne, mais tu vois qu'ils ont la bibliothèque puis d'autres ressources, mais qui sont pareilles. Les nouvelles technologies d'information et de communication facilitent beaucoup notre vie et nous pouvons nous connecter avec nos amis. Kissa, bonjour Jean, comment vas-tu? Je suis venu hier et je venais te voir car j'ai besoin d'un ami à qui parler. Ah, excuse-moi. L'inconvénient est que souvent nous oublions à communiquer avec les autres en personne. J'ai appris qu'il y avait encore beaucoup de tensions entre les Indiens et nous au Québec. Depuis l'arrivée des premiers Européens sur le territoire, les relations avec les Premières Nations se sont beaucoup transformées.
Plus récemment, la crise d'Oka en 1990 a révélé un énorme fossé entre la société québécoise et les communautés Mohawk. Tu sais, qu'est-ce qui a déclenché la crise d'Oka? C'est tout ce qu'il y a eu avant, dans le fond. Fait que, tu sais, quand on est arrivé, là, on les a... Tu sais, c'est sûr qu'il y a eu des conflits dans toute l'histoire du Québec, dans toute cette histoire-là de colonisation. C'est sûr qu'il y a eu des tensions, puis ça, c'est comme... On les a comme tassés. Souvent, quand il y a deux gangs comme ça, c'est pas que lui, c'est pas qu'il y en a une qui va pas accepter l'autre, c'est plus les deux, on reste dans notre coin, on va pas voir les autres. Aussi, en fin de compte, on est comme une petite réserve, en fin de compte, parce qu'on est comme français, puis avec une majorité anglaise tout en entour de nous. J'ai pas d'amis anglophones. Ben, disons qu'ils sont déjà formés les gangs, puis on n'ose pas aller vers eux parce qu'on est bien. Moi, je suis bien avec mes amis, puis... On préfère rester entre nous. J'ai appris avec le projet qu'il y avait encore de la discrimination entre régions dans différents pays. Nous sommes des Wati. Nous ne sommes pas du Nord ici. Nous sommes au Sud. Je dis bien du Sud. Et nos cultures exigent qu'un garçon d'un même lieu se marie à une fille d'un même lieu. Je ne pouvais pas juger les autres comme sans les, ben, en les connaissant vraiment comme peu. Qu'est-ce que t'en penses? Pourquoi est-ce qu'il y a de la tension entre les deux ethnies? Мне кажется, българите имат изграден негативен стереотип за циганите. При нас се разбираме. Няма кой да делим, според мене. Всички сме на едно място. Дали българи, цигани или турци? Avec ce projet-là, j'ai appris en gros sur les autres pays, sur la culture des autres pays. En regardant les vidéos des autres, j'ai remarqué qu'on a, des autres pays, j'ai remarqué qu'on a beaucoup plus de ressemblances que de différences, comme ils sont sportifs comme nous, ils vont à l'école comme nous, et on a pas mal, ils ont la technologie un petit peu moins développée, mais c'est quand même comme nous, et j'ai remarqué qu'on a beaucoup plus de ressemblances que de différences. J'ai appris le point de vue des gens, en fait, sur les enjeux qui préoccupent leur pays.